parti. Alors, j'ai attendu un petit peu avant de partir que le jour commence à se lever, il est 7h30, car là on est dans pas mal de brouillard. Donc on y va tranquillou. Bon allez, je laisse la vidéo, je reprendrai tout à l'heure. Donc voilà, il est 8h34, le jour commence à se lever. Ouais, toujours du brouillard, mais bon, il y a quand même de la visibilité, ça va, c'est pas dramatique. Mais on voit pas grand-chose. Donc normalement, il y a du brouillard comme ça jusqu'à 9h30, 10h. Et par contre, il n'y a pas du tout de vent. Donc ça aussi, c'est prévu. De la sortie de la Vilaine jusqu'à... Allez, on va dire jusqu'à Dumay, pas beaucoup de vent ce matin. Et il y a entre 12 et 18 nœuds attendus cet après-midi dans la baie de Quiberon. Donc je pense que ça bougera un petit peu plus. Voilà, j'ai commencé à déployer mon génois. Je le mets pas en full pour le moment parce que comme il y a du brouillard, j'ai envie d'avoir quand même de la visibilité. Mais pouah, superbe. Et voilà, ça y est. Moteur est arrêté, j'ai déployé complètement le génois. Voilà la bête. Magnifique. Bravo Altacels et Patrick, Hubert, Pascal et Hubert. Franchement, du super boulot. Et ce que ça fait plaisir de pouvoir renaviguer avec un génois, bon sang. Il y a Yannick qui doit se trouver par là. Alors à la caméra, on ne doit pas voir, mais là-bas, on distingue Edic, l'île de Watt. Et là, la pointe Saint-Jacques. Sous-signaux qui doit être ouais, ça doit être ça qui est bien dans le brouillard encore. Et voilà, je passe la pointe Saint-Jacques. Et j'aperçois en face là des voiliers. De toute façon, c'est simple, dès que tu arrives en baie de Quiberon, voilà, c'est blindé de voiliers, c'est sympa. C'est dommage,
Parce que vous voyez Yannick avec le brouillard, il n'a pas pu partir aussitôt que prévu. Tout à l'heure, au loin, j'ai aperçu une voile qui reflétait dans le soleil. Je pense que c'est à lui. Mais là, on se croisera pas aujourd'hui parce que trop loin. Un temps de nave franchement parfait. Oh là, génial. 9 nœuds devant, j'avance à 5 nœuds 8. Impeccable. C'est cap sur Port-Aliguin à Quiberon. On va aller voir un peu devant comment ça se passe. Voilà. Elle est quand même magnifique. Superbe temps. Alors là, j'arrive sur un maxi trimaran. Magnifique. Après le maxi trimaran, c'est un bâtiment de guerre. Donc il y a celui-là et il y a l'autre là qui revient. On était au même endroit tout à l'heure entre Dumay et Pierriac, il était. Et apparemment, ce sont les bâtiments d'école de la Marine nationale. Thank you.
parti, direction Arzal. Il est 6h30. J'ai quitté le port à 6h30. Là, il y a 13h, entre 13 et 15 nœuds de vent. Je suis à un peu plus de 6 nœuds. Et j'ai mis 2 riz dans le génois parce que ça envoyait trop fort. Je viens de passer la pointe Saint-Jacques. Donc là, je fais cap à l'est. Je viens de croiser un bateau de pêcheurs. On dirait que je vais me taper du brouillard encore dans la Vilaine. Voilà, lever de soleil en direct. Ah, que c'est beau. Eh bien, le brouillard revient. Ça me change tout, là. En plein brouillard, comme au départ. Et voilà, le barrage d'Arzal en approche.
Ça change de l'été où le ponton d'accueil il est méga blindé. Dans le sas d'attente de l'écluse, impeccable.